Bonjour et bienvenue sur Comptonline Info. Au sommaire cette semaine, condamnation de deux comptables indépendants, experts comptables dans la loi Macron et performance des petits cabinets. Une ordonnance de 1945 donne aux experts comptables le monopole de la tenue, de la vérification, de l'appréciation et du redressement des comptes des entreprises. Les personnes qui créent leur entreprise et qui ne sont pas inscrites à l'ordre des experts comptables s'exposent à des sanctions. Ils exercent illégalement la profession d'expert comptable. La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation de deux comptables indépendants. Le premier sera condamné à 15 000 euros d'amende, le second à 8 mois de prison avec sursis. Le projet de loi Macron est en cours d'examen par le Sénat. De nouveaux amendements ont été déposés. Les amendements concernent tous les articles qui intéressent les experts comptables. L'inscription de l'expert comptable en entreprise à l'ordre a été rejetée. Les rémunérations au succès ont disparu. Le Sénat refuse la participation des experts comptables aux sociétés pluriprofessionnelles du droit. Seules les nouvelles missions principales d'ordre statistique, économique ou administratif sont acceptées. Elles sont le résultat d'un accord entre le Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Le texte sera examiné une seconde et dernière fois par l'Assemblée nationale. Une croissance très faible et des performances en berne, c'est ce que vivent les petits cabinets d'expertise comptable. Lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 500 000 euros, leur taux de croissance est à peine de 2%. Pire, le résultat d'exploitation a même baissé de 20% en 5 ans. Ces mauvais résultats ne s'expliquent pas uniquement par la taille des cabinets, car les cabinets les plus touchés sont ceux qui sont restés dépendants de la mission traditionnelle. Les cabinets, petits ou gros, doivent se spécialiser et se démarquer de leurs concurrents pour survivre. Vous pouvez accéder gratuitement à tous nos articles sur le site Compte Online. Vous retrouverez les liens en dessous de la vidéo. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine.